la panthère là qui se manifeste. Cet esprit, voilà. Se manifeste. Allez, feu, 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 le feu, allez, feu. Je vais voir un peu ta sincérité. Tu es sorcier? Si, je suis un sorcier. Ouais. Tu n'entends pas bien. Je suis un sorcier. Un vrai vrai? Oui, oui. Ou un petit sorcier? Non, je suis un vrai. Un grand sorcier? Je suis un patron dedans. Un patron dedans la sorcellerie? Oui. Ok. Tu as fait quoi la sorcellerie? Qui t'a donné? C'est ma grand-mère. Bon, on était au campement avec ma grand-mère. Bon, les parents sont tous partout au village. Elle était restée avec moi au village, sur le campement. Un matin, elle dit, bon, accompagne-moi. Il dit, où ça? Elle dit, allons au Marigot. On est allé au Marigot. J'étais arrêté, voyant le Marigot. Elle a déposé le seau. Et puis elle est allée derrière le Marigot, elle a coupé les herbes. Mais les herbes qu'elle a coupées, je les prenais. Je prenais. Puis elle a coupé les herbes, elle a amené. Quand elle a amené, elle dit, allons au village. J'ai pris l'eau. L'eau, là, j'ai pris, maman, j'ai pris le seau. On était partis. Arrivé au campement, elle a pris le mortier. Elle a mis les herbes dedans. Les feuilles. Les feuilles qu'elle a coupées. Elle a commencé à piler. J'étais arrêté, je la regardais. Il dit, la vieille, c'est quoi? Elle dit, attends, c'est ça, il y a mis ça sur toi. Mais tu, ce que tu vas faire, tu vas voir. Il dit, d'accord. Elle a pilé. Donc, on est allé derrière la maison. Arrivé derrière la maison, elle dit, il faut te déshabiller. Je me suis déshabillé. Et puis, elle a mis, elle a mis ça sur mon corps. Elle dit, il faut rester au soleil ici. J'étais assis au soleil. Le soleil m'a tapé, c'est sec. Ça a séché sur moi. Jusqu'à, on était là. Donc, la nuit, elle a préparé un peu de riz quoi, pour manger. Pour moi, mais pour riz blanc, quoi. Elle a bien mangé. En même temps, la nuit, c'est la nuit. Moi, j'ai mis ma natte à côté d'elle. Elle est sur le tara. Donc, elle me dit, viens, il faut monter sur le tara. Le tara, la sandie, c'est un lit en bambou. Lit en bambou. Qu'on fait au village, là. Donc, elle était couchée. Elle m'a appelé. Elle dit, il faut monter ici. J'ai dit, non. Quand ma grand-mère est montée à côté de toi, c'est pas bon. Elle dit, non, moi, je suis de venir. Elle a attrapé ma main, elle m'a mis sur le tara. Donc, elle a poussé la nappe là-bas. Il y avait le feu à côté. Quand le feu est éteint, je dormais. En même temps, elle a pris ma main. On s'est levé. Ouais. On partait en haut. On est parti en haut. Elle m'a pris, on est allé chez ce groupe-là. Arrivé là-bas, le chef d'État, il était posé. Les jetons, ils étaient beaucoup. Donc, elle m'a mis au milieu. Elle m'a mis au milieu, elle dit, voilà, le chef, c'est moi qui envoie mon fils, il va rester ici avec nous. C'est moi qui l'ai amené. En même temps, le chef dit, je suis d'accord. Quand toi, tu as envoyé ton fils, moi, je suis d'accord. Il n'est qu'à s'approcher de moi. Puis elle marchait, je suis parti devant lui. J'étais arrêté. Il y avait un canari, il y a un gros canari à côté de lui. Non, à côté de lui, il y avait un qui était arrêté. C'est lui, celui qui est à côté, c'est lui qui l'envoie. Il était seul. Donc il a pris canari, il a pris dedans, pop, du sang de l'homme, il m'a donné, j'ai bu. Quand j'ai bu maintenant, il dit, mets-toi au milieu. Je me suis mis au milieu. Il a dit, bon, quand tu as envoyé ton fils tout de suite là, pour lui dire, il n'a qu'à envoyer quelqu'un, et puis il serait à côté de moi, il serait mon sous-chef. Oui, j'explique le phénomène d'envoyer quelqu'un. Quand tu envoies dans la confrérie, tu dois forcément donner quelqu'un. Au fait, c'est pour ça que nous menons le combat, parce qu'on ne peut pas être sorcier, c'est pour ça qu'on n'a pas tué. Quand quelqu'un dit il est sorcier, c'est qu'il a tué. Parce que pour avoir droit à la parole de la confrérie, c'est que tu as donné quelqu'un. D'abord, on dit, mais tu es courageux. Maintenant, tu peux parler, tu peux prendre les décisions dans la confrérie. C'est pour ça que nous menons ce combat parce qu'il y a tuerie et ce qu'on appelle les crimes spirituels. J'ai tué mon neveu. Voilà, il faut expliquer. Voilà. Quand j'ai tué mon neveu que j'ai tué, il y avait ma grand-sœur qui avait pris crédit dans un quartier. Quand elle a pris crédit. Ce n'est pas la COPEC, hein. C'est crédit de chair humaine. Quand elle a pris. Crédit, la fois, bien expliqué. Quand elle a pris crédit. C'est la COPEC. Non, ce n'est pas la COPEC. C'est la sorcellerie. Oui, c'est sorcellerie. Comment on prend crédit? Donc, quand tu tues personne, tu vis. Bon, si quelqu'un il tue son ami, son frère ou bien sa soeur, quand il tue, sa soeur, s'il prépare, dépassement simplement là. Si tu dépasses le canari au feu là, il va d'avoir quelqu'un. Ah bon? Tu vas le tuer, il va passer aussi pour regarder. Si tu dis, bon, mon ami,
Vous me donnez un peu, il va goûter. S'il met l'eau de sauce là dans ta main, tu vas faire pour toi aussi. Il va passer. Tu vois, il va dans sa main, tu vas mettre l'eau de sauce. Non, là-bas, là, c'est la jeune qui ne bouge pas. Hein. On ne joue pas là-bas. Là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je viens de te goûter. La puissance de Dieu au-dessus de la puissance de la sorcellerie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? C'est un esprit qui est en train de se manifester. C'est pour ça que nous autres, nous comprenons des sorciers et puis nous les aidons parce qu'ils sont possédés par un esprit. Or, s'il a fait des aveux, il a parlé. Qui n'est pas délivré, il demeure sorcier. Quand Jésus a dit tout accompli, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. C'est pour ça qu'arrêtez d'aller chez les féticheurs, arrêtez d'aller dans ces conneries. Donnez-vous véritablement à Dieu. Il va vous donner le pouvoir sur ses œuvres, les œuvres du diable. Je vois Panthère à lui. En lui, une Panthère. Oui. Il y a une Panthère qui vit en lui. Il y a une Panthère qui vit en lui. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La panthère qui se manifeste. Un esprit, voilà. Se manifeste. Allez. Feu. 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 Allez, voilà. Feu. 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 Le feu. Allez, feu. Allez. Va. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un serpent, ouais. Un gros serpent. Ouais. Ça passait. Ça passait, oui. Et puis la panthère, ouais, est sortie de ma bouche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?